comment faire une comédie musicale sur Jésus et surtout comment le raconter. Il y avait une véritable fascination pour le personnage. Vraiment, c'était le personnage qui comptait. On ne parlait pas d'adore de Dieu, on me parlait vraiment du personnage Jésus. Là, il s'agissait vraiment de raconter les trois dernières années de sa vie. Donc, on n'est pas tout à fait dans le biopic, au sens où on l'entend, parce qu'on ne prend pas son enfance, on n'est pas en train de rechercher le pourquoi du comment de la nativité ni des rois mages. Mais donc, on prend vraiment l'ouverture symbolique du baptême de Jean-Baptiste. Et c'est là que, tout à coup, sa quête, sa marche vers Jérusalem commence à s'entreprendre et toute la quête en Galilée. J'ai remonté ensuite les événements jusqu'à, évidemment, la crucifixion et une manière d'évoquer la résurrection. Il y a des spectacles, on y va, on se dit, bon, alors c'est la mode, c'est pas la mode, on se pose la question sur plein de choses. Là, il n'y a pas de question de mode. On ne peut pas réduire Jésus à une bonne date de sortie, on ne peut pas réduire Jésus à une affiche, on ne peut pas réduire Jésus à un livret. Ça nous dépasse tellement tous que par conséquent, le maître mot, c'était l'humilité.